Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la découverte des jeux de la semaine, du jeu de la semaine, excusez-moi, de l'Epic Game Store. Alors, je sais, la musique est forte et je ferai la suite, mais je trouvais intéressant de laisser cette page-là, puisque c'est quand même plus ou moins à propos de la chose. Donc, cette semaine, c'est 911, ou 911, comme vous préférez. 911 opérateur, donc on va incarner un opérateur du 911 qui est le numéro international de d'urgence et le numéro d'urgence des États-Unis, hein, tout simplement, hein. Et on va être un opérateur, on va devoir décider si on est face à un canular ou pas. Vous avez jusqu'à jeudi qui prochain, donc jeudi qui s'en vient, hein, comme vous pouvez constater, hein, jusqu'au 21 septembre, 17h pour pouvoir le télécharger. Par la suite, on aura Out of Line et The Forest. Cartel, pardon. The Forest Cartel. Je connais pas du tout les jeux, je connais pas celui-là non plus. Donc voilà. Donc maintenant, hop, le jeu. Oh, allez. Vous allez bénéficier de ma belle voix d'amour. Alors, attendez que je dépenche ça quand même. Je penche la manette. On vient de terminer Genshin, hein, c'est pour ça, enfin, du moins, le stream sur Genshin. Et j'en profite pour vous faire l'enregistrement. Donc, 31. Il y a un précédent ? Je ne sais pas. Alors, les canulars téléphoniques sont punis par la loi dans de nombreux endroits du monde. L'opérateur doit décider s'il découvre qu'un appel est en fait un canular, s'il n'est nécessaire d'envoyer un officier de police chez l'appelant. Il est parfois mieux de simplement ignorer ces appels afin d'économiser du temps et des ressources pour les vraies urgences. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment, vraiment prendre en compte, surtout maintenant où il y a de plus en plus de personnes qui font des appels bidons, et notamment pour le swatting. Vous savez que c'est vraiment dégueulasse de faire ça, donc soyez prudents. Alors on va regarder dans précédent, parce que je vois il y a 31. Ah ouais, 30, oh là. Oh là là. Est-ce qu'on va sur le 1 ? On va sur le 1, voir, vite fait. Utilisez un casque et ou des haut-parleurs. Utilisez le casque ou des haut-parleurs pour améliorer votre expérience. Ok, d'accord. L'écoute des conversations et les bruits de fond vont vous aider à résoudre le cas plus efficacement. Alors par contre, j'espère que ça sera pas en anglais. Comment parler avec l'opérateur 900 ? Essayez de rester calme, décrivez brièvement la situation, les faits seulement. Essayez de répondre à toutes les questions, exécutez les directives de l'opérateur 911, ne discutez pas avec l'opérateur du 911, ne raccrochez pas trop vite. Une fois la conversation terminée, n'utilisez pas ce téléphone pour faire un autre appel. L'opérateur pourrait avoir besoin de vous recontacter. Donc ça, c'est effectivement les choses les plus probantes. Hein, c'est ce qu'il faut vraiment faire dans la vie réelle, hein, pas seulement dans les jeux. Règle des 4 questions. Ce sont les questions fréquemment posées lors d'un appel du genre. Où êtes-vous? Que s'est-il passé? Quand cela est-il arrivé? Waouh! Quand cela est-il arrivé? L'événement est-il toujours en cours? Qui est impliqué dans l'accident? Peut-être est-ce que quelqu'un est armé? Donc, effectivement, c'est la première chose. Alors, il y a une chose qui manque. Si vous êtes, par exemple, face à un accident de la route, première chose, c'est vous présenter. Vous présentez, vous dites où vous êtes, ce qui s'est passé. Parce que le temps, en fait, dès que vous allez dire où vous êtes, ils peuvent commencer à prévenir. En fait, ça sera marqué comme potentiel. Et quand vous expliquez ce qui s'est passé, si effectivement l'opérateur que vous avez à l'autre bout de la ligne vous croit, et enfin normalement vous êtes censé appeler quand c'est une réalité, hein.
soyons d'accord, vous croient et machin, donc effectivement, vous gardez votre calme, vous le faites en même temps que vérifier l'état de la victime, vous ne bougez pas forcément la victime. Alors vous la bougez s'il y a vraiment un danger immédiat. S'il n'y a pas de danger, vous la laissez sur place, vous ne la déplacez pas. Vous regardez l'état de la victime, si elle est consciente, si elle a mal quelque part, si elle respire. Et tout ça, il faut que vous fassiez en même temps que vous commencez à composer votre numéro. Vous faites ça, vous vous présentez, vous dites où vous êtes et comme quoi vous êtes témoin d'un accident. Vous dites ce que vous voyez et surtout l'état de la victime. Donc, vous dites si c'est... alors, c'est important quand même d'essayer de donner l'âge, le sexe et tout ça. Et là, franchement, honnêtement, on va pas passer par le côté de transgenre, machin et compagnie. La personne qui est au bout du fil, elle s'en bat les couilles. Vous n'allez pas risquer la vie de quelqu'un en disant « Ben écoutez, je sais pas, peut-être que c'est un homme, mais peut-être qu'il se considère comme une femme et tout ça. » Si ça ressemble à un homme, vous dites un homme. Si c'est une femme, vous dites que c'est une femme. Ça est fait par rapport à la base, parce que l'intervention n'est peut-être pas forcément la même. Est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une femme et qu'elle a un ventre comme si c'était une femme enceinte, même si c'est une personne, comment dire, même si c'est une personne qui a du surpoids, mais que vous avez cette impression-là, n'hésitez pas à dire, bah, peut-être que la personne est enceinte. N'hésitez pas à dire, mais vous regardez bien sûr s'il y a d'autres occupants dans le véhicule, s'il y a un véhicule. Vous regardez tout, vous essayez de faire un maximum, de donner un maximum de précision à la personne en étant le plus bref et concis. Ça sert à rien de raconter toute une histoire. Ah, peut-être que... Non. C'est, vous dites, voilà, je me trouve à tel endroit, j'ai une voiture qui est retournée, j'ai une personne qui est sur le sol, allongée, inanimée, ou elle peut être... machin. Si vous avez la possibilité, et attention, soyons d'accord, vous n'avez pas le droit de fouiller dans les affaires personnelles d'une personne. La personne, elle peut vous attaquer en justice par la suite et gagner. Même si vous lui sauvez la vie. Et ça, c'est un truc de ouf. Mais voilà. Donc, si vous arrivez à dire à peu près truc, dire si c'est une personne de forte corpulence ou pas, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi Après, n'oubliez pas que... vous avez des urgentistes qui vont arriver sur place et eux, ils vont appeler s'ils ont besoin d'un truc particulier et ça sera vite dépêché. Alors, on va peut-être pas tout lire, on va pas faire tous les trucs. Hein. N'appelez pas... N'ayez pas peur d'appeler 911. Trouvez quelque chose qui peut être utile pour penser, une plaie, moi. Bon, bref, on va faire continuer, hein, parce que sinon... On va faire le tutoriel. Putain, il n'y a pas d'option. Ah si, option. Oh, j'avais pas vu. Français. Déplacé par le bord. Affiché. Machin, musique. Ah. Bon, après, je veux bien un peu de musique, mais pas trop, quoi. Voilà. Ça me paraît pas mal. Opérateur silencieux, appel étouffé, typique. Ok, donc vous voyez, les langues, si vous voulez savoir les différentes langues qu'il y a. Merde. Alors, allemand, anglais, espagnol, français et chinois, mandarin, je sais pas, hein, c'est lequel. Hein, chinois, japonais, mandarin, coréen, je sais pas. Portugais, Brésil, polski. Polski, c'est quoi déjà? Je sais plus. Russe, turc et chinois ou japonais, j'en sais rien. Bref, nous on garde français et j'espère qu'ils vont parler français. Ok, on va faire le tuto. On va faire retour. D'accord. Je sais pas ce que c'est ça. Peut-être multijoueur, j'en sais rien. Le Facebook, c'est cool. Oh, c'est sympa de la façon que c'est fait. Hein. Ok, on va lancer. Pour ceux qui débutent dans 911, moins d'accidents criminels plus faibles. On va faire facile. Hein. Premier secours, empoisonnement. Essayez d'obtenir autant d'informations que possible. Quel type de poison ou quel produit chimique? Quand est-ce que c'est arrivé? Quelle quantité de poison a été ingérée? Combien pèse la personne? Alors ça...
Appeler le 911 ou le 130 poison, ne donner ni à manger ni à boire à la personne, ça c'est très important, vraiment très très important. N'essayez pas de la faire vomir, ça aussi c'est très 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 important. Toutefois, si la personne l'a fait, prélever un échantillon dans un récipient propre. Alors ça, c'est faux. Vous avez pas, vous arrivez sur un endroit où il y a un truc et vous voyez un flacon par terre, vous ne savez pas ce que c'est. Alors, si vous voyez un flacon de Javel, bon, après, il faut connaître les pictogrammes, hein, bien évidemment. Voilà, essayez de donner le plus de précision. Prélever un échantillon, généralement, c'est... les urgentistes qui vont venir, qui prendront un échantillon pour vérifier si dans le vomi, s'il y a des choses. Il faut pas la faire vomir, il faut pas la faire ingérer d'autres choses parce que ça peut aggraver les choses. Parce que le produit peut être du genre gel, et donc en fait ça va brûler effectivement, hein, mais ça va peut-être pas arriver jusqu'à l'estomac tout de suite. Et le fait de donner à manger ou à boire à la personne, ça peut être très truc. Par contre, ce que vous pouvez faire pour une personne qui s'est envoyé du produit, alors ça c'est plutôt en entreprise, d'accord? Généralement, vous avez, alors quand vous avez des produits chimiques, il y a une possibilité de projection dans les yeux. Donc normalement, il y a des équipements qui sont faits exprès pour, et c'est très important d'utiliser ces EPI. N'oubliez pas une chose, lorsque dans une entreprise, on vous propose une EPI, il est de votre obligation de les utiliser. Même si c'est chiant, même s'il fait super chaud ou quoi que ce soit, vous devez utiliser vos équipements de protection individuelle. EPI. Non, le chat, tu viens pas. Waouh. Reste là. Allez, donc voilà. Donc généralement, quand c'est une entreprise qui utilise des produits chimiques, généralement, il y a accès aux douches assez, assez proches et normalement, dans le lieu, dans la salle où il y a potentiellement une possibilité d'exposition avec des produits chimiques qui peuvent aller dans les yeux, il y a un rince-œil. Donc c'est un truc assez particulier, assez bizarre. Ça fait une espèce de fontaine à eau avec deux orbites. Et en fait, vous penchez la personne à proximité des deux orbites. Alors vous enfoncez pas les yeux dans le machin et vous appuyez sur la pédale pour que ça projette de l'eau pour rincer un maximum. Après, c'est pas toujours faisable. Hein. Il n'y a pas toujours non plus. Alors on va faire continuer, on va pas lire les suivants parce que. Operator, it seems like this is your first duty. Shall we begin the training? Tu viens de me défoncer les oreilles. Attends. Non, annulé. Oh putain. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression que ça va être en anglais. Pardon. J'ai l'impression que ça va être en anglais. On est à Capoley. Donc, opérateur, on dirait que c'est ton premier jour de service. Veux-tu commencer ta formation? On va dire OK, bien évidemment. Donc, on a unité 1, 2. Unité 3. Ah, d'accord, attends, on va regarder. Unité 4. Oh putain, on a plein d'unités en fait. Donc après, on n'est pas con. Hein. Donc forcément, l'unité 4 à l'unité 6, ce sont les urgences. Comment dire pour les soins. Ah bah, ils disent ici hein, ambulance, police, pompier. D'accord. Your main objective is to manage the teams of police officers, blue, medics, white, firefighters, red. Here you can modify your teams, assign new team members, buy new vehicles and equipment, and watch the report summary. This is also a place where your progress is automatically saved. Ok, ton objectif principal est de gérer des équipes d'agents de police en bleu, de secourisme en blanc et de pompiers en rouge. Ici, tu peux modifier tes équipes, recruter de nouveaux membres, acheter des véhicules ou de l'équipement neuf et consulter le résumé des rapports. C'est ici que ta progression sera sauvegardée automatiquement. Ah, va me défoncer les oreilles. For now, go to deployment. Alors, pour l'instant, va au déploiement et presse sur la touche déployer les unités. Moi, j'aurais bien aimé... Donc, on a les pompiers qui sont là, d'accord. On a deux équipes de pompiers, trois équipes de police, trois équipes de soins,
d'ambulance. Et c'est ça. Et deux équipes de pompiers seulement. D'accord. Now you can deploy the teams to different locations in the city. Left click to select a unit. Ok, on peut zoomer, dézoomer. Ah, on peut bouger la... Un truc, maintenant, tu peux déployer tes équipes à différents endroits de la ville. Clique gauche pour sélectionner une unité. Then, right click to send it to any place in the city. Ouais, mais sauf que... Alors, du coup, toi, tu vas aller par là. The units will find their way if possible. Les unités trouveront elles-mêmes leur chemin. Ok. You should remain aware of the hospitals, rappelle-toi que les hôpitaux and fire stations, as your units may need to drive back to base. You can press space to show or hide the bases. Rappelle-toi que les hôpitaux, les bases de la police et des pompiers sont répartis sur la carte pour que tes unités puissent y retourner automatiquement en cas de besoin. En cas de besoin, 1-1. Besoin.n, ok. Tu peux appuyer sur espace pour afficher ou masquer les bases, ok. Now disperse your units throughout the city. You might want to use the plus or minus buttons or the mouse wheel to change the zoom level and see the whole city. When you are done, click start duty. Ok. Alors, ils disent en gros déploie tes unités. Alors. Je vais prendre une unité d'ambulance. Je vais l'envoyer ici. D'accord. C'est quoi que j'ai envoyé là-bas? Une voiture de police. Je vais envoyer une unité d'ambulance ici. C'est vrai qu'on a deux unités de police. Une unité de police ici. Non, reviens. J'ai qu'une unité de pompiers là. Sérieux? Bon bah. Allez. Now, wait for incoming incidents. Here it is. Click new incident to display the details. Une nouvelle alerte. Une nouvelle alerte s'affiche, clique sur le nouvel incident. Now, select a police unit, blue, and dispatch it to the incident by clicking it with a right button. I'm listening. Heading over there. When a unit arrives, the situation overview is available. You can find your team members on the left side and the incident elements on the right side of the window. Move the pointer over any element to see additional info. Excellent. Lorsqu'une unité arrive, une vue d'ensemble de la situation est disponible. Tu peux trouver les membres d'équipe sur le côté gauche et les éléments de l'incident sur le côté droit de la fenêtre. Déplace le pointeur sur l'une ou l'autre des éléments pour afficher plus d'infos. Les team members will do their job automatically. You can also manually pick a team member and choose a task for him using the left mouse button. At least one unit should stay on site until all the elements of an incident will be resolved. Les membres d'équipe vont faire leur travail automatiquement. Tu peux également choisir manuellement un membre de l'équipe et lui assigner une tâche en utilisant... Ah ouais, attends, mais en fait... mais pause le temps que... Ouais, c'est con. Les membres d'équipe vont faire leur travail automatiquement. Tu peux également choisir manuellement un membre d'équipe et lui assigner une tâche en utilisant le bouton de gauche de la souris. Au moins une unité devrait rester sur le site tant que tous les problèmes liés à l'incident ne sont pas résolus. Ok. Now you have an incoming call. 911, what's your emergency? Good evening. I need help. Yeah, stupid thing. What's your name, sir? I'm Jacob Kobus. Click the dialogue option of your choice to progress through the conversation. Usually, you should ask for the detailed address first if it hasn't been determined. Until the conversation is finished, the time slows down. Where are you calling from?
Why'd you call 911? My cat climbed up a tree and can't go down. It's very dark. Could you send firefighters? So, can you help me? I'll send the fire department. Thank you. I'll be waiting. Now, decide who should be sent to the incident. You can also choose to ignore an incident if you decide that there is no need for an intervention. Waiting for instructions. Click on the address to center the camera over the incident if you are not sure which one it is. Reporting. Maintain the public order and save people from harm to earn a good reputation. Carry on until the end of your duty. Waiting for instructions. I copy. Go in there. Wait for the location on the 77 IT. 56-16 Craft Avenue. You got any FTOs with a PPO info? Ah, c'est bien ce qui me semblait, j'ai les deux. Reporting. Understood. We're ready. Affirmative. 5-6. I'm listening. Gonna be a 91. 911, what's your emergency? Hello, I need help. It's burning. I'm sorry, ma'am. What's burning? It's burning. Send in the fire brigade immediately, please. Ma'am, where are you? Okay, ma'am, I need you to calm down. What is burning? Is anyone hurt? No. No one is hurt. Will you send help? Okay, I'm sending the fire department. Well, I'm waiting. Okay, jump and cover. Case resolved. Secure up central, please. Is it your turn? 13 King 84. Reporting. Right away. Set a station from church on central, wasn't important. I'll send 3 Houston to lot. If there's any FTO or crew for that gun turning, give us an experience. Copy that, yeah, don't worry. 11-25, can you go see the radio? Standing by. Oh yeah, I'm on desk. 10-4. We're done here. 11-25, can you go see the radio? Waiting for orders. Understood. 7-9-3-3-7, have run in top, please. Oh yeah. What are the orders? I copy. Go in there. Let us see some from church on the... 2247 West Monroe. 911, what's your emergency? Hello, I would like to order a big pepperoni with extra cheese, please. Excuse me, you have a wrong number. Yes, I know. Oh, and 2 cans of soda. Please quit these jokes. You're blocking an emergency line. Ready, 10-4. Understood. I copy. Going there. 911, what's your emergency? Help! I can't breathe. I'm trapped in the car.
Sir, keep calm. Where are you? Standing by. 5DVO, 10-5 that location. 5-6. Waiting for orders. Understood. Sorry, 10-5, thank you. Wow, mais c'est dur. Sorry, 10-5, thank you. What are the orders? 20. I copy, going there. Reporting. 10-4. 911, what's your emergency? If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Hello? Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Accidentally called 911. Sir, are you having an emergency? No, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Of course, I'm sorry. Requesting air, the situation on 7-7 go and going down to straight paint and all the central bus away. So, gotta get this in and have it out. All the stuff is we got, so. Case resolved. Waiting for orders. Understood. Standing by. We are ready. Affirmative. I'm grabbing over and just getting out of the bait. 13 King 84. Case solved. Got injured. Going to hospital. I'll send 3 Houston to the lot. Sorry, I got a situation on 78. The civilization is free Denver. If there's any FTO or crew for that gun turning, give us an experience. Standing by. 5-6-16 Craft Avenue. 13 King 84. I'll wait for the location on the 7-7-I-8. Case solved. Okay. Nombre total de cas résolus. 14. Prison. 14. 1 prison. 14 amendes, 3 hospitalisations, 0 mort, guéri, assisté, 5, réputation 13, efficacité 42%. Revenu de base 5 000, récompense 13 000, amende 7 940, bon putain c'est des trucs, salaire moins 3 000, entretien de véhicule moins 4 000, résultat total, le membre de l'équipe, machin, a été blessé. Ce membre d'équipe est en convalescence pour 2 autres jours et ne peut pas être affecté. Performance, ok, d'accord. Pourquoi résolu moins 1 ? Petit incendie de voiture, il n'aurait pas fallu ? Je ne sais pas. C'est pas. Rapport. Faible brillant. 0. Plus 1, plus 1, plus 3. Appel vide. Résolu moins 2. J'ai pas tout compris. Ok. Et lui, il peut pas y aller. Ah, personnel. Est-ce que je peux... Là, je recruterais bien... Place d'équipage 4. Place d'équipage 4. Je prendrais bien des pompiers, en fait. 2.
Oh merde! Oh, t'as fait gaffe. Alors, on va mettre ça là, et on va mettre lui là, donc t'as un plus haut gradé qui va là, parce que lui il est, c'est bizarre. Et lui on le mettra là après. qu'est-ce qu'il y a? Travail technique, heure de 30, grièvement blessé, 2,98. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Hein. C'est des deux bons gars là. Ok, allez, une policière avec eux. Au cas où, tu sais que ça serait avec une femme. Attends, équipement. Ah, j'ai pas d'équipement. Ah. Ok. J'ai combien? J'ai 22 000. Hop. Un pistolet. Ah, mais tu te rends compte que... Ah. Okay. Il m'en faudrait 7. 7. Je vais prendre. 7 et 2. Alors, vas-y, hop, hop. Nous, on protège la police et des personnes. Tac, 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 et tac, tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner hop au chef d'équipe des. Ah merde, il y en a 3. Je crois qu'il y en avait 2. Tac, tac. Et là, vous avez le même niveau, mais... T'as 3000. Cher. Mais c'est pour sauver des vies. Personnel, véhicule, ok, d'accord. Et là, je suis ruiné. J'ai plus une pièce. Ça me va comme ça en fait. Non, c'est ça me va pas. Tac. Ouais, un là. Voilà. Un par ici. Et un par là. Juste pas que... Et par la suite, ça serait... Attends, mais il manque une patrouille de... Ah ouais, il y en a une par là. Donc toi, tu vas plutôt être... par là. Toi, tu vas plutôt venir ici. Et toi, tu vas rester là. Toi, tu peux venir ici. Voilà. Ok, allez. Ah, désolé, j'avais pas vu que ma tête était partie. I'm listening. Understood. 5DVO, 10-5 that location. I'm 911, what's your emergency? Hello? I hear a lot of noise coming from the apartment next door. It's keeping my kids up. They can't get to sleep. Can you do something about it?
Do you know what's happening at your neighbor's place? Some kind of a party, I guess. I hear a lot of voices and loud music. Can you do something about that noise? Did you try asking them if they could turn down the music? Are you sure it's safe? They don't sound like reasonable people. To be honest, I'm a bit scared of them. Could you tell me why you're not feeling safe? While I was going to my apartment, I saw a guy leaving my neighbor's place. He was acting weird. Very weird. Like maybe he was on drugs. What's the address you're calling from? My house is at... Okay. Can you do something about that noise? I have emergency services on the way. Stay at your apartment and stay calm, okay? Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. I'm grabbing over and just getting out of the base. 2247 West Monroe. I'll wait for the location on the 7798. 7 besoin d'aide médicale, intervention de la police nécessaire. Reporting. Heading over there. 5DVO, 10-5 that location. Injured on board. 11-25, can you go to the radio room? 113, Lieutenant, at 10-11 on 116-52 sub. Medical heading to hospital. Wait for the location on the 7-7-I-8. Good search, Sulfur case. Good search. Reporting. Case 10-4. Alright, so we got 015. 13 King 84. 911, what's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. So how long have you had this stomach pain? About an hour ago. It started suddenly. Alright, does anything else hurt? I vomited half an hour ago. Sir, have you drank alcohol lately? Well, I went to a party last night, and maybe I drank a bit too much. Sir, it's probably a result of too much alcohol last night. I think that's the reason. I can't send an ambulance in such a situation, so here's my advice. Wait a couple of hours. If the pain is still there or it increases, get yourself to the emergency room at the hospital, okay? Okay. I guess you're right. Bye. What are the orders? Affirmative. Alright, so we got 015. 11-25, can you go to the radio room? Oh, yeah. I'm on the desk. 10-4. 7-7, please locate me to the Union Mobile 7-8. Requesting air, the situation on 7-7 go and going down to straight 8. And all the central, by the way. So, gotta get this in and have it out. All the stuff is good. Standing by. Thank you. If there's any FTO, we're crew for that gun turning. What are the orders? I copy. Going there. Liquor search, air search, containing. Any diagnosis or crowd here as well. 911, what's your emergency? Good evening. I have a problem with my daughter. She's screaming, breaking things, completely out of control. Is your daughter hurt? All right, ma'am, what's happening? I just can't calm her down. She's pulling my hair. She's almost my height. How old is your daughter? 14. Moi, j'ai passé pas trop. She broke something again. Ma'am, it doesn't sound like a 911 situation. Please deal with your daughter yourself or call the education support. Lui tirer dessus. Oh, she broke something again. All right, ma'am, I'll send an officer by. Thank you. Bye. Requesting air, the situation on j'ai pas demandé l'adresse. Ready for the next case. Putain. Reporting. I copy, going there. Standing by. We are ready. If there's any update. 10-4.
Bah quoi là? 113, Lieutenant. Ah, c'est bon. Ah, transport médical ici. Nine-one-one, what's your emergency? Hi, there is a strange car parked here. Could you check it? Where's the car parked? It's a restricted area. So what is it about this parked car that has you concerned? Private cars are not allowed to park here. Why is that, sir? It's for safety reasons. Maybe I'm overreacting, but could you send the police to check it? Hello? Are you still there? Hey, I'm waiting. Sir, honestly, I don't know why you would feel threatened by this vehicle. I hope you will not regret that decision. Bye. Standing by. We are ready. Affirmative. Injured on board. Reporting. Heading over there. Ah, c'est chaud. What are the orders? On my way. 911, what's your emergency? Yeah, hello. There is a fight out in the street. Can you please send the police quickly? Did you see if they had any weapons? No, I didn't see any. Is anybody injured? I don't think so. They've just started and they're mostly shouting and pushing each other. How many of them are there? There are two of them. Are you still there? Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Are you still there, sir? I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. On air. I'm on the desk. 7-9-3-3-7 air, running pass, please. 10-4. On comprend pas trop les différents trucs là. C'est quoi, ça va prendre une minute machin? We're under fire. Need backup. Need backup. 113, Lieutenant. Ready for the next case. 7-9-3-3-7 air, running pass, please. What are the orders? I copy. Going there. Reporting. Right away. 5-6-16 Craft Avenue. On a envoyé les cowboys. Pourquoi à la base j'ai envoyé un véhicule et oui, le chat. Ok. Pouh. Oh, 34 000. Ah, par contre, ça serait... Attends.
Est-ce que ça, les résolus, est-ce que ça donne un truc pickpocket? Attends. 3, 6, 9. 3, 6, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 24, 27, 29. Ok, c'est bien la réputation. 29, ça va, ça va. Bah déjà, j'ai pas de moins. Après, honnêtement, adolescente hors de contrôle, qu'est-ce que vous voulez faire? On le ferait, hein, mais... Vous avez été promis dans une nouvelle ville. Oh, le chat, s'il te plaît, sérieux. On va faire un simple... Écoutez, honnêtement, je trouve ça marrant. Difficile, mais marrant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux passer sur YouTube? Mais... T'as cru que j'étais ton arbre à chat, que tu pouvais grimper? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller là? Oh, attendez. C'est bon? Tu y es? Qui casse tout. Allez, on va juste voir comment ça se continue. Détail de la carte. Albuquerque est située dans l'état du Nouveau-Mexique. La ville a été fondée en blablabla. Maintenir une réputation positive après chaque devoir dans cette ville avant de procéder. Attendez, je vais me faire une garrette, une petite garrot. Alors, la découverte, elle va être longue. Et vous savez quoi? Je pense que vous allez avoir des vidéos de ce jeu. Aussi con que ça peut paraître. Aussi con que ça peut paraître. Alors, j'avais envie... Alors, tout comme vous, hein, soyons francs, je regarde d'autres youtubeurs, hein, et je regarde JDG, comme beaucoup d'entre vous. Et j'ai toujours kiffé quand ils faisaient les machins comment dire? T'sais, vous savez, quand ils jouent le rôle en même temps, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, d'accord, mais oh! Vous savez, quand ils racontent une histoire en même temps que le jeu, et je trouve ça excellent. Et je pense que ça pourrait être pas mal de faire un petit truc. Alors après, il faudrait que je m'amuse un petit peu à faire des effets de voix et compagnie. Et puis faire Ok, allez, Brigitte, occupe-toi, il y a un cambriolage. T'sais, Bob, Maurice, allez, fin de la pause, Donut. Et on y va. Allez les gars, courage, c'est un petit feu. Non mais c'est sympa, je trouve. Chaque année, 9,28 crimes violents pour 1000 habitants. Oh. Ça va. Enfin, c'est déjà trop, mais ça va. Allez, on continue. Je sais pas pourquoi. Le jeu m'a redonné un petit peu de vie. Mais le chat. Hé, t'as fini, oui. Chat, espèce de guerrière. Ok, allez, c'est parti. Oh, par contre, facile. Des accidents et choses. Non, mais on va rester en facile. Alors, serpent vim... Oh putain. Alors, je vais vous dire une chose. Autant quand je vais à une fête ou à certains endroits, comme quand à un moment quand j'étais animateur en jeu de société, j'étais à Cannes. D'accord? Il y avait un festival du jeu à Cannes. Et là-bas, tu avais une personne sur la plage qui avait un gros serpent. Je trouve que c'est un boa, mais c'est pas une certitude, il me semble. Et qui proposait de te le mettre sur les épaules. Ça me dérange pas, ça. Vraiment. Aucun problème. Le problème, c'est que j'habite à la campagne. Moi, quand je vois un serpent, peu importe lequel, même un truc qui n'est pas vraiment un serpent, bah, pas un ver de terre non plus, hein. Mais c'est quoi un orvet, je crois, un truc comme ça? On m'a dit, ouais, c'est un orvet, ça fait rien. Je sais pas, moi. Moi, je suis déjà à 10 mètres du bordel. C'est mort. C'est mort. Je connais pas les serpents, vraiment. Et je ne vais pas. Alors, savoir si un serpent est vénéneux.
est très difficile. Donc tu vois, j'ai pas joué au héros et j'ai pas essayé de machin. C'est pourquoi vous devez toujours, quand vous voyez un serpent, rester à une distance suffisante, ne pas approcher le serpent. Par contre, l'écriture. Le serpent dans le but de l'identifier. Renseignez-vous sur les espèces et les caractéristiques des serpents venimeux présents dans votre région. Règle générale concernant l'apparence des serpents vénéneux. Très large tête avec un cou plutôt étroit. Nez pointu, pupille elliptique. Tu crois? Et j'ai même pas le temps de voir elliptique. Une ellipse. Elliptique. Les serpents vénéneux peuvent avoir la tête triangulaire. En cas de morsure, contactez immédiatement un médecin. N'essayez pas d'aspirer le venin. Ah, tu vois, alors qu'on nous dit tout le temps aspirer le venin. Alors que non, tu vois, il ne faut pas. Mais ouais, ça c'est... Après, ceux qui nous regardent sur cette Day to Die, vous le savez, hein, moi les serpents, j'aime pas ça. Après, c'est un jeu, donc il y a un petit peu de... Mais dans la vérité, dans la réalité... Ah ouais, je suis plus rapide qu'une Usain Bolt hein, quand il y a un serpent, là, je vous jure. Autant je peux faire pato dans la réalité, parce que moi c'est, vas-y, cool Raoul, hein, j'ai la quarantaine, j'ai pas besoin de courir. J'ai fui la ville exprès parce que j'en avais marre d'être tout le temps stressé, de toujours devoir courir à droite à gauche. Maintenant que je suis à la campagne, les gars, c'est cool Raoul. Machin. Bon allez, continue. Waouh, il y a des motos maintenant. J'ai une patrouille à moto, trois patrouilles en véhicule, j'ai trois sauvetages et deux... Ah, attends. Équipé pour combattre les incendies. Doté d'un équipement de pompier professionnel qui peut être utile pour le travail de pompier. Ah, tu m'expliques? Là, lui, il peut... Mais t'as fini le chat? Lui, il peut combattre les... D'accord, il faut que j'y pense. Camion technique. D'accord. J'ai un autre camion de pompier. J'ai du personnel en supplément. J'ai qu'un véhicule de pompier. Ouais, j'ai peut-être pas le mettre, le véhicule de pompier. Ah, c'est pour les feux en plus. Ah, ça c'est intéressant. Macho boy. Bon, toi, t'es capitaine. Tu as un gilet pare-balles. En vrai, c'est les troufions qui devraient mettre les gilets pare-balles et pas les capitaines. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc, des armes, vous avez tous une arme. C'est quoi? On peut vous mettre une deuxième arme, histoire que vous faites les cow-boys jusqu'au bout. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ah, là, j'ai un transport médical. Transport plus volumineux qui peut être utilisé pour le transport de plusieurs personnes à l'hôpital. Oh, ok. Il faudrait une autre trousse encore. Alors, transport médical, ambulance. Bon, allez, hop, on va faire. On va voir ce que ça donne. Alors, comment ils sont? Mais la ville, elle est gigantesque, en fait. Alors, j'ai deux camions de pompiers. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas venir ici. Toi... Oh, putain, mais ça va être dur. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas venir ici. Ah ouais, il y a la moto aussi. Oh merde, il y a en haut. Oh, ça va être la galère, ça. Et la moto, tu vas venir ici. Oh, ouais, elle va vite, la moto. Ok. Je sais pas si c'est vraiment un bon déploiement, mais... Après, c'est vrai, il manque une voiture de pompier. J'aurais peut-être dû mettre. Ah, on verra. Mmh.
I'll send 3 Houston to Lot. 11-2. Reporting. 10-4. 56-16 Craft Avenue. Dommage, il ne nous explique pas technique, machin. Alors, besoin d'aide médicale, un blessé, intervention des pompiers. Tac, 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 tac. Nine-one-one. What's your emergency? Oh my God! Oh my God! Sir, what's happening there? My daughter! What happened to your daughter, sir? What's the address you're calling from? Okay, sir, we're gonna get ambulance on the way. Have you checked her pulse? Yes! There's no pulse! There's no pulse! She doesn't have a heartbeat! Her heart stopped! Do you know what happened to her? Drugs! There are syringes all around her. Someone gave her drugs. Now she's dead! I'll send a patrol there. Please stay where you are and try not to move or touch anything. Pourquoi ça met 3... Pourquoi ça met 3 jours pour tout, là? What are the orders? Mais c'est super grand. Reporting. Affirmative. Est-ce que j'ai moyen de voir ici? D'accord. Ça va être pas mal de l'avoir quand même, ça. What are the orders? Affirmative. Je veux bien, mais Injured on board. Reporting. 10-4. Waiting for instructions. 5DVO, 10-5 Del, okay. Heading over there. The lost group of individuals that can't find our suspect. 113, Lieutenant. Requesting air in the situation. Ready for the next case. We are affirmative. Ready for the next case. Reporting. Affirmative. 911, what's your emergency? My car was stolen! When was your car stolen? Just now! I've seen those thieves driving away in my car! Send somebody to catch them! Do you know where my car is? Okay, I'm gonna need your license plate. Can you give that to me, please? It's... What color is your car? Red. What type of car is it? Muscle car. Expensive one. Ah, mais c'est dur de tout gérer. Do you know where my car is? Mais taille. What's the address of where this happened, sir? It happened at
We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Thank you. Goodbye. 13 King 84. The last group of individuals that can't find our suspect. You got any FTOs with a PPO info? If there's any FTO, we're recruit for that gun turning. Give us some experience. Secure officer, I'll play the secure. We are ready. I copy. Going there. Ah ouais, non mais les gars. Reporting. On my way to hospital. Secure officer, I'll play the secure search. Got a citizen from church on the... Got injured going to hospital. We're under fire! Need backup! Need backup! Sorry, I got the situation on 70i. The situation is redeemer. Secure officer, I'll play the... I'm listening. Understood. 1120. Reporting. 10-4. 56-16 Craft Avenue. Sorry, I got the situation now on that. We are ready. I copy. Going there. 2247 West Monroe. Delayed, bro. Yeah, I'm leaving actually. That's going to be at 9:00. Trouble going for the other 10. Oh, mais c'est pas possible. Après. Oh, mais c'est chaud. 911, what's your emergency? Hello? There's an unconscious man here on the pavement. Where are you calling from? Around. Did you see him pass out? Is he breathing? Yes. Breath smells so bad. Hello? I'm sending an ambulance. Okay, thanks. 113, Lieutenant. Got injured going to hospital. Sorry, I got the situation now. Reporting. I copy. Going there. 707, please locate me to the unit mobile 7-8. Oh, mais j'ai pas assez de... J'ai pas de... suffisamment de... We are ready. I copy, going there. Waiting for orders. Understood. We are ready. I copy, going there. J'ai du mal à comprendre. Il y a une là. Il y a lui. Tu vas où toi? Ok. Toi, il faut que t'ailles là. Oh, mais je sais pas là. We are ready. What are the orders? Sorry, 10-4, thank you. Sorry, 10-4, thank you. Immediate transport to hospital needed. We are ready. Delayed, bro. Yeah, I'm leaving actually. That's gonna be at 9:00. Trouble going to the other 10-11. Wow, je sais plus où donner de la tête. 911, what's your emergency? Yeah, hello. I don't really know how to say it, but... Yes? Sir? I'm sorry, what do you mean, ma'am? I mean, I think he makes drugs. Ah, all right. Why do you think so? Well, I found weird containers filled with some stuff in our cellar, and they stink pretty bad. I have no idea what it is. My husband's a chemist, but why would he need that? Ah putain, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire, machin. Hello? J'ai trouvé des récipients bizarres remplis de différents trucs dans notre cas, ça sent assez mauvais. Elle a raccroché. Ouais, non, mais ça devient vraiment. Case solved.
location on the 77ID. Sorry, 10-4, thank you. Ready for the next case. Ready for the next case. Comment ils veulent que je fasse? What are the orders? Affirmative. 2247 West Monroe. Tac, 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 tac. En patte, oui. Tiens, vas-y, tu vas là-bas. Ensuite. Voilà, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Patrouille. Ici. Mais il y a trop d'alertes. Attends. Patrouille. Là. Non. Alerte. Attends. Alerte. Sur la route. What are the orders? Toi, tu vas aller là. Affirmative. Case solved. Mais piss off, c'est quand t'as loupé ça, non? Je sais jamais. Ok. Pas trop. What are the orders? Tac, tac. Sur la route, ça veut dire qu'il se dirige vers un endroit. 911, what's your emergency? I want to report a fire. Where are you, sir? In front of... So what's on fire? I guess it's a living room. I need you to be more specific, sir. Is the room in a house or an apartment? It's part of the house. Hello? All right, so how big is the fire? It's kind of big, like the size of a bonfire. You're not inside, are you? No, I saw the fire through a window. The fire department is on the way. Okay. 56-16 Craft Avenue. On air. I'm on desk. 10-4. Sorry, 10-4, thank you. 56. We are ready. I copy. Going there. 5DVO, 10-5 that location. Secure search. We can't do it now. Secure officer, don't play the secure search. Sorry, 10-4, thank you. Secure search. Standing by. If there's any FTO or crew for that gun turning, give us an experience. Sorry, 10-4, thank you. What are the orders? Oh, yeah, I'm on the... Affirmative. Got that thing from the... we got resolved. 707, please locate me to the Union Mobile 7-8. Standing by. Got a station from Church on the Central, wasn't important. D-39 is going to be a 91. I think I'm going to... Wow, c'est dur, hein. 1K, 1K, 113, Lieutenant. 2247, West Monroe. Right away. Ready for the next case. Ready for the next case. Wow, je vous jure, c'est trop dur. C'est trop dur. Délai écoulé moins 4 ans. Réputation 32 quand même, ça va. Par contre, j'ai beaucoup de blessés dans l'histoire. Ok. J'ai envie de vous dire que c'est méga intéressant. Après, le problème, c'est que je pense que il y a beaucoup trop d'informations d'un coup. Alors peut-être que ok, d'accord. Hein. Mais bon, femme préoccupée, délai machin. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est le temps de lire. Tu regardes en même temps ton tableau. Ouais, c'est chaud. Ok, hop, retour. Oui. Quoi ça? Concepteur en chef. Ok.
Mais c'est pas mal, franchement, honnêtement, il est sympathique comme jeu. Alors désolé, si vous avez pas ma tête, hein, c'est, j'ai tellement chaud que j'essaie de me mettre au niveau du ventilo mais d'une certaine façon que vous entendez pas souffler dans le micro. Franchement, j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup. Mais ça serait peut-être bien si les voix elles auraient été en français. Franchement, ça aurait été pas mal. Parce qu'effectivement, au lieu de lire, tu l'entendrais. Donc, tu pourrais plus facilement faire les choses à la fois. Donc, après, ça peut être un très bon exercice pour l'anglais. Donc, je sais pas. Bon, bah écoutez, on a découvert. Ah, il y a carrière et tout. Ah, je suis encore en tutoriel en fait. Oh là. Carrière et tout. Oh. Quoi ça? Médaille de formation des officiers de terrain. Un de tes agents est sérieusement blessé. Ouais, d'accord. Bah écoutez, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être continuer à faire des enregistrements dessus. Dites-moi si ça vous intéresserait qu'on continue. Peut-être. Je dis bien peut-être que je pourrais peut-être un petit peu plus m'amuser sur le style de. Mais alors, Ginette, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que ton mari, par rapport à la femme qui était en panique droguée, bref, dire des conneries. Hein. Bah alors, Ginette, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu crois que c'est de la drogue? Arrête tes conneries. Il est en train de te faire ton gâteau empoisonné. bref. Alors, je continuerai et on regardera s'il y a une différence avec carrière, machin. D'accord? Donc, sur ce, on se laisse là. Je vous remercie encore. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue un petit peu, faire une petite série dessus. Alors, je ne sais pas quel jour je le mettrai. Peut-être à la place de Frostpunk, à voir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Dites-moi tout dans les commentaires, abonnez-vous, clochez, likez. Vous connaissez la suite. Allez, ciao, bye bye.